Ben, on a ouvert Nikwabo le 18 janvier, donc même pas 2 mois avant la période de confinement. Moi je suis Elise Bond. Vanessa Bond. Et donc on est autour donc, d'une cuisine des 54 états d'Afrique et des îles d'outre-mer. Semi-gastronomique, on propose un menu dégustation qui évolue chaque semaine. Des petits producteurs locaux. Au fur et à mesure du temps, on a eu des retours de nos fournisseurs, de 2-3 journalistes qui nous ont dit non, il faut ouvrir. Des clients. Et des clients aussi qui nous ont dit il faut ouvrir. Et de là, on a commencé à travailler 2-3 menus et on s'est dit on va remettre un peu ce qu'on faisait un peu avant, mais en version box. Après, on s'est engagé aussi avec les chefs, avec les soignants. Pour soutenir un peu les soignants là où ils sont, parce que chaque jour ils se battent pour sauver des vies, des personnes qui sont entre la vie et la mort. Et ils sont là-bas de matin jusqu'au soir. Et nous, ce qu'on peut les donner, on ne peut pas les donner de l'argent, mais ce qu'on peut donner, c'est notre amour en cuisinant pour eux. Ah oui, ça me manquait grave de cuisiner. Là, quand je suis venu dans le restaurant, je me suis dit, ah, enfin. On réfléchit à beaucoup de stratégies pour pouvoir relever la tête et être à 100%. Et on est en train justement de développer des partenariats, que ce soit pour la vente à emporter avec TikTok, mais on va aussi travailler en partenariat avec un coach bien-être.